This is my hair. I don't wear wigs. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais te présenter ce produit miracle qui m'a été envoyé par la marque. Excuse-moi, c'est moi, c'était un putaclic cette vidéo. Moi putaclic, non. Non. Aujourd'hui, nous allons nous raser la tête. Tontange, tu te demandes pourquoi? Easy, mon petit Wistiti. La raison pour laquelle je me rase les cheveux aujourd'hui est là, devant tes yeux. Il s'agit de l'état pitoyable de mes cheveux. Je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois Florence rangeant son grenier avec plaisir et volupté, trouvant, traînant sur le sol encombré, une photographie de son passé. C'est alors que Florence réalisa que ses cheveux, en bon état, n'était pas. J'ai en effet trouvé une très vieille photo de moi dans le grenier. Je sais pas où je l'ai mise, mais je pense que j'ai une copie sur mon ordinateur dont je vous la montrerai. J'avais 13-14 ans et c'était à Noël et mes cheveux étaient aussi vierges que moi. Et j'ai été grave choquée en voyant cette photo. Enfin, j'ai toujours cru ces dernières années que mes cheveux avaient toujours été très fins, pas très beaux, sans brillance, sans couleur, fade, que mes cheveux c'était de la merde. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis rendu compte que non! Avant, j'avais des longs cheveux jusqu'ici, mais des cheveux, mon gars, hein. J'étais réponse, hein. J'avais des longs cheveux blonds, légèrement ondulés, dorés, avec 36 000 brillances dedans, je ne sais par quelle magie, et avec des pointes ici, mais genre les plus belles pointes que t'as jamais vues de ta vie. Et je ne parle pas de mes tétons. Aïe aïe aïe. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années pour que tes cheveux soient si lèves, Florence? Easy, mon petit Wistiti. Je suis passée maintes fois par la décoloration. Je suis passée par toutes les couleurs du monde, et maintenant je passe par la couleur. Tes cheveux vont crever, fais quelque chose. Aujourd'hui nous fêtons la fin de ce génocide par un nouveau génocide. Allez hop, c'est parti. Bon alors, je vous explique. Moi j'ai pas de ciseaux de coiffure parce que je les ai rendus à ma maman, parce que c'est ma maman qui est coiffeuse, c'est pas moi. Et donc j'ai des ciseaux à tissu, on est content. Et j'ai pas non plus de tondeuse, super. Donc on est parti vraiment sur un tutoriel de merde. J'ai pris 36 000 élastiques pour me faire des petites mèches de Yorkshire un petit peu partout sur la tête. Ça va être incroyable. Waouh. C'est quoi ça? Sans déconner. What the fuck? Ah, au revoir mes cheveux, vous allez me manquer. Je suis trop moche, putain. Je ressemble à un samouraï kawaii. Respire, Florence, respire. Un nouveau départ, un nouveau défi, c'est un nouveau jour. Ah, mais c'est même pas là que je dois couper, je suis conne, je dois couper en dessous de la cique, c'est pour ça que j'ai fait... Oh, je suis vraiment trop débile, hein. J'ai envie de pleurer. Ah, ça fait mal. Oh mon dieu, ça me rappelle tellement mon enfance quand j'avais des poux. Ah, c'est pas si laid, hein. Ça va, c'est pas fou, mais ça va. Oh, ça fait trop bizarre. Je suis grave choquée. Je suis trop choquée. Oh là là. Je me coupe les cheveux, j'enlève tout. Ah. Si c'est pas de la coupe de professionnel, je ne sais pas ce que c'est, hein. En vrai, ça me va bien. Maintenant, vous pouvez m'appeler Katy Perry Lannister. Ma Britney. Allez, on va couper ça le plus près possible du crâne. Oh, ben ça va, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une tondeuse. Avec la technique du ciseau, ça marche aussi. Oh, c'est trop génial comme sensation, j'adore. C'est hyper agréable. Oh, j'adore, putain, j'adore la sensation. C'est trop agréable. Oh, c'est genre, ça vaut tous les massages du monde, mon gars. Oh, putain, c'est génial. J'apprécie beaucoup. Oh là là. J'ai une petite mèche d'intello juste sur le dessus. Accélère, faut absolument enlever ça. En vrai, ça me va bien, je trouve. Ça me donne du caractère, hein. Bonjour, petit crâne tout blanc. Ouah, les gars, la sensation est absolument géniale. Et en vrai, ça me va bien, hein. Bonjour, je suis une bomba latina. J'ai un petit look à la Eminem et tout, t'as vu? Par contre, putain, on en a du sébum sur le crâne, c'est ouf. C'est le moment où les Romains sont poignards. On va raser tout ça. Allez, c'est parti. Je vais me voir dans le miroir, j'étais genre... C'est parti, mon kiki. On va le faire bien, hein, quand même. Ah, ah, ça aussi c'est agréable. J'ai l'impression de découvrir un tout nouveau monde. Hello, je suis un gâteau. Je te jure que si après ça j'ai pas des cheveux de princesse, je sais pas s'il faut faire, hein. Ou le stress. Ouh, le stress. Oh my god, je suis dans le stress. Je suis dans le stress. Oh,
Waouh, c'est grave pas agréable. Bio, j'aime pas trop beaucoup ça. Vas-y, pense et pense à ta vie. Imagine, ça repousse, j'en ai partout. Ce serait trop génial. Je suis grave emballée, je suis trop emballée, la la la. Eh ben mon crâne n'a pas l'air très joli. Ça arrive. Hein. C'est carrément plus agréable de se raser le dessous de la chatte que se raser le crâne, quoi. Sans déconner, c'est hyper désagréable. Je me regarde me raser comme ça et ça me rappelle le vétérinaire, tu sais, quand il enlève l'intérieur des couilles des chiens et qu'il rase leurs couilles, ben ça me fait vraiment penser à ça. Oh, j'ai l'impression de raser une énorme couille de chien. T'as mon gars, je vais te réponse. Oh, ça va prendre une éternité. T'as mon gars, c'est tellement long de se raser le crâne. Je me fais chier. Le temps de me raser le crâne, la 12e guerre mondiale sera terminée. Bah c'est ma grand-mère qui va être contente. Franchement, les gars qui se rasent le crâne à blanc, je vous comprends pas, ça fait trop mal. C'est du masochisme un peu là. Franchement, je trouve ça très joli. Je dirais pas que je garderais les cheveux rasés parce que c'est pas le but de la démarche du tout. Je trouve que ça me va bien et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très belles avec les cheveux rasés. Et voilà. J'ai des cheveux dans le soutif, mon gars, c'est pas agréable. J'en ai dans l'œil. Aïe. Bon et eh bien je suis hyper contente et on verra dans les mois qui suivent à quoi ressemblent mes cheveux, dans quelle taille ils sont, s'ils sont beaux, s'ils sont blonds, s'ils sont dorés, s'ils sont plutôt blond froid, je sais pas du tout la couleur de mes cheveux, du coup on verra ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai mal rasé ça? Pouf, j'ai vraiment mal fait ça. Bon et eh bien mon crâne n'est pas très joli, hein. Je dois le dire qu'il y a deux trucs ici. Ah, c'est normal, c'est un crâne, tu vas me dire. Et c'est très voyant en fait la couture du crâne sur le côté. Je sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais en tout cas chez moi ça se voit très fort. Mais j'en ai absolument rien à foutre, du coup voilà. J'ai envie de faire un truc marrant. J'aime beaucoup. J'ai un petit crâne fleuri. Allez, on est poussette, hein, parce que là, on a des poils partout. Ça fait bizarre quand même, hein. J'ai pas l'habitude. Attends, on va faire ça. Oh, ah, la sensation est dégueulasse. Sur ce, mon petit Wistiti, j'espère que cette vidéo t'a plu autant qu'à moi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mon Instagram tellement colorful que ça te brûle les yeux. Je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi comme vidéo. Salut. Fluffy unicorns dancing.